Chers tous, bonjour Cash. En ce vendredi 29 septembre 2023, c'est déjà le week-end. En cette période de transition, ne l'oublions pas, et c'est pourquoi j'arbore ce t-shirt, transition cache les mentalités. Oui, la chose la plus difficile à construire au-dessus de toutes les infrastructures, c'est-à-dire il est plus difficile de construire cette chose que les ponts, les immeubles, les échangeurs ou les gratte-ciel, et même les aéroports. Ce sont nos mentalités. Eh oui. Et à propos de mentalité, vous savez comment les Gabonais sont accrochés au poste de nomination. Donc, il y a eu le Conseil des ministres. Mais seulement aussi, il faut qu'on ait l'honnêteté de rappeler au CTRI, et j'espère que la presse va jouer pleinement son rôle. Nous, médias, nous observons, il y a des dossiers que nous avons traités, et nous savons qui est qui et qui traîne des casseroles. C'est-à-dire que j'espère qu'on pourra rectifier le tir, parce que rien n'est figé, hein, tout est dynamique. Parmi les gens qu'on envoie comme chargés d'études, conseillers, directeurs de cabinet, dans les ministères où qu'on a nommé là, il y a des gens qui traînent des casseroles. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, mais alors là, qui a saboté le travail quand il était au ministère des mangues. Donc tous les manguiers du Gabon, ben là, son nom est vraiment sous tous les manguiers. Maintenant, on l'envoie au ministère des papayes. Donc, comprenez que si l'on ne fait pas attention, tout le désordre qu'il faisait sur les manguiers, il va le faire sur les papayers. C'est de cela dont il est question. Parce qu'il y a des noms, quand on voit, on dit, oh, mais comment lui, après tout ce qu'il a fait là-bas, le président de la transition, Oligui, lui-même a dit qu'il a d'abord été dans le système, il a été dans les services de renseignement. Est-ce qu'ils n'ont pas fact-checké, ils n'ont pas fait des enquêtes de moralité? Parce que ce gars-là, il peut pas être à tel endroit et dans un ministère aussi stratégique. Parce qu'il va recycler les mauvaises habitudes, cash. Bon, heureusement qu'on est là, on va le rappeler. On va voir comment tout ce beau monde-là va s'asseoir. Et puis on va reprendre cash du terrain. Transition cash de nos mentalités. Mais il faut que le président de la transition écoute de plus en plus l'opinion. Et il faut que les enquêtes de moralité soient un peu plus poussées. Parce qu'il y a des gens quand même... Quand vous les avez vus comment ils ont géré certains dossiers, on l'amène encore là à gérer les dossiers, on se dit, il y a un problème, il n'est pas là pour son mérite, ou bien parce qu'il prie dans la même église, fréquente le même banja, ou parce qu'ils sont du même village, ou parce qu'il y a des liens de mariage avec le ministre qui est désormais là. Donc, au président de la transition, aux organes de la transition, de faire du fact-checking cash et des enquêtes de moralité bien approfondies cash.